Redouane, parlons de vous. Vous êtes un monument marseillais. C'est-à-dire qu'il y a Notre-Dame de la Garde, il y a le Vélodrome et puis il y a vous. Alors quand vous produisez au Vélodrome de Marseille, vous avez mis le feu, c'était fou. Je disais tout à l'heure, vous êtes entré dans l'histoire. Est-ce que vous vous dites maintenant, on va voir les images de ce moment incroyable, est-ce que vous vous dites, je peux mourir tranquille? Ouais, je pense que ça fait un moment que je pouvais mourir tranquille, mais de faire le stade devant 40 000 spectateurs à Marseille, chez moi, je suis né à Marseille, je pense que c'est le climax de ma carrière. Parce qu'à aucun moment donné de ma carrière, je me suis dit que j'allais me retrouver au stade Vélodrome. On fait de l'humour, on fait des spectacles. Et pour moi, l'apogée, ça devait être l'Olympia, les lettres en rouge à l'Olympia, boulevard des Capucines. Ouais. Je me disais, c'est bon, ça va être le maximum de ma carrière. Après, j'ai fait les Dômes de Paris, après, j'ai fait Bercy. Et après, je me suis retrouvé au Vélodrome. C'est quoi la suite? À part la Lune, je ne vois pas. Il faut se mettre d'accord avec Elon Musk. Ouais. Mais le stade Vélodrome, c'est exceptionnel. C'était une très, très belle soirée. Là, je prends un petit tournant vers le cinéma et je tourne des films. Là, il y a le spectacle qui sort sur Canal. C'est pas le stade, c'est le Dôme de Paris. On m'appelle Marseille. On va regarder justement un extrait, parce que votre spécialité, c'est le roast. Vous rôtissez les spectateurs qui sont au premier rang, vous les maltraitez. Parce qu'on les voit, ils sont au premier rang. Bah oui, mais bon. C'est le troisième, parfois. On va le voir d'ailleurs dans l'extrait. Ouais. Vous attaquez leur poids, même leur tête, vous en prenez à tout en fait. On regarde. Il est très drôle. Oh frérot, je t'ai pas vu comment tu es gros. Waouh. La femme du Palais des Sports m'a dit il n'y a plus de pop-corn. C'est lui. Docteur spécialisé en quoi, Manu? Médecine générale. Médecine générale, super. T'es allé, t'avais quoi comme problème? Tout. Elle avait tout. Et t'as réglé tous les problèmes. Ouais, j'ai compris. Elle avait des problèmes financiers, ça se voit. Kim Kardashian, Gérard Jugnot. Et les gens adorent ça. C'est-à-dire que les places du premier rang, elles s'arrachent parfois au marché noir à plus de 500 euros. Qu'est-ce qui fait qu'on aime autant se faire maltraiter? Il y a un petit côté sadomaso, mais les gens savent que c'est pas méchant. Il n'y a pas d'animosité derrière tout ça. C'est toujours fait avec bienveillance. Du coup, les places au premier rang s'arrachent. Et j'ai eu même des critiques de gens qui s'étaient mis au premier rang. Oui, on est déçus. On n'a pas été vannés. Les vannes sont très bonnes. Hein. Vous iriez, Sandrine? Moi, j'aimerais beaucoup qu'ils sortent une bonne vanne sur pour moi. Pour vous classer. Enfin, non, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas de la vanne gratuite pour attaquer quelqu'un. C'est de la vanne très drôle, en fait, quand il dit... c'est ça qui marche, c'est que si c'était... Ça nous fait rire de nous-mêmes. Là encore, c'est du rire. C'est le rire sur nous, le rire sur tous, mais le décalage. On se pose la question quand on vous voit, est-ce que vous sentez les limites? Est-ce que vous avez peur de les dépasser? Parce que vous venez de dire, c'est parce que les gens, en fait, ont envie. En gros, ils sont consentants. Oui. C'est quand on est consentant que ça passe. Exactement, il y a un consentement. Il n'y a pas de gens qui se retrouvent au hasard. Et je vois dans les yeux des gens si on peut y aller ou pas. Il y a des gens qui te regardent, qui disent non, moi j'ai été invité. Ouais, exactement. On le voit dans les yeux des gens et il y a toujours une limite à pas dépasser. On flirte avec la limite, mais je n'ai pas jamais la limite parce que les gens ils viennent quand même pour passer un bon moment. Le but du jeu, c'est pas de les vexer ou de les mettre à mal. Mais est-ce que tu as peur un soir de pas avoir d'inspiration sur les gens? Je touche. Non, mais je veux dire, c'est pas donné à tous, c'est pas. Non, il y a un spectacle écrit. C'est pas un truc obligatoire d'avoir le truc super drôle sur Kardashian et Jugnot, par exemple. Ouais, après ça vient, mais il y a un spectacle écrit. C'est là que t'as fort. C'est pas que l'impro. Non, mais bien sûr. Il y a un spectacle écrit, il y a des soirs. Mais vous n'avez pas payé pour venir, vous saviez pas qu'il y aurait en effet Gérard Jugnot au Tout ça est prêt, il y a un show, il y a. Non, mais c'est jamais les mêmes impro parce que c'est jamais les mêmes gens qui viennent. Vous pourriez clasher Victor. Non, Victor, il est bien. Non, c'est une émission qui passe à la télé. On veut choquer personne. C'est la rentrée. C'est ça. Justement, vous dites on veut choquer personne. Est-ce que en fait, il y a un côté défouloir dans cette scène, c'est-à-dire défouloir à dire des horreurs et défouloir surtout de la part des gens à entendre des horreurs. Oui, les gens viennent pour ça parce qu'on arrivait dans une société qui est devenue. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus vanner personne, on arrivait dans un humour aseptisé où on fait tout le temps la même chose. Et là, il y a un vrai lâcher-prise. Après le Covid, les gens, c'est bon.
vas-y, j'ai les cheveux courts, fais-toi plaisir, on est là, fais des blagues, on a envie de rire, il n'y a pas de limite. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté défouloir, mais toujours avec la limite, entre guillemets, à ne pas dépasser pour ne pas vexer les gens. Ici, on ne clash pas, mais on fait du nez à nez. Ça vous dit ? On va faire une interview. Je connaissais le doigt d'eau de Catherine Sebag. Oui, voilà, il y a une inspiration. Maintenant, il y a le nez à nez. Est-ce qu'il y a des esquimaux ? Ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'où ? Oui, c'est très esquimaux. Vous êtes prêt pour le nez à nez ? Oui. On se met profil pour que ça fasse vraiment nez à nez. C'est comme ça ? Prêt pour le nez à nez. Non, comme la barbichette. Ouais, oui, on fera ça tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle de votre famille, parce que c'est une sacrée famille. Vous avez 5 frères et une sœur, vous êtes 4 à faire de la comédie. Vous avez 2 de vos frères qui ont réalisé les SACPA 1 et 2. Un troisième qui joue dedans. Mmh. Votre frère Ali, qui est l'aîné, raconte que en fait, tout a commencé lors des repas de famille, que c'était vos parents qui vous découpaient en rondelles tout le temps. C'était vraiment comme ça ? Il y avait des repas de famille où il y avait beaucoup de rires, beaucoup de larmes aussi. Et ça a démarré avec des repas de famille, avec beaucoup de vannes. Vos parents vous clashaient Il y a le papa et la maman qui sont très très vanneurs. Et ça a démarré comme ça. Ouais, votre mère dit que votre père est le premier homme à l'avoir fait rire. Ben je crois, je pense. J'espère pour elle. On a plusieurs photos, dossiers de vous. Ah ouais, ces photos. Ouais. 13 plaqués. Ça rappelle des souvenirs ou pas ? Ah ouais, c'est le... Ça, c'est mes frères avec mon père. Circoncision à gauche. Ouais. J'ai perdu un bout de moi ce jour-là. Je m'en rappelle très, très bien. Ben ouais, c'est toute la famille, là. Ouais, je les vois. Ben c'est émouvant, quand même. On a vu votre père aussi. Ouais, mon père. Smaïn, là, c'est mes frères Ali qui sont réalisateurs, acteurs. Hichem qui est acteur aussi. Ça, c'était au lycée Victor Hugo. Vous êtes c'était plus proche de qui ? Je suis proche de tous. Je les aime tous pareil. À un moment, quand même, vos parents vous ont envoyé chez les Bonnes Sœurs pour étudier. Vous leur devez quoi aux Bonnes Sœurs ? Ben, la discipline. La discipline, la notion de travail et la résilience aussi de rien lâcher. Donc c'est vrai que l'école des sœurs, ça m'a permis justement de marcher dans les rails, quoi. Ça a été... j'étais quand même très turbulent et très dynamique. Et justement, l'école des sœurs, ça m'a... Calmé ? Ouais, c'était une éducation de main de fer dans un gant de... Pas de velours, mais de boxe. Vous vous êtes déjà égaré du droit chemin ? Je pense que oui, et... C'est le catholicisme qui m'a remis. Vous avez fait quoi ? Ben, je fais des petites bêtises. Hein. Comme quoi ? Comme des bêtises. On vous rappelle plus ? Ben, j'ai l'impression d'être le confessionnel. Le parrain. Pardon, mon père, j'ai péché. Trois, je vous salue, Marie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sandrine. Vous avez mis du temps quand même à réussir. Vous avez enchaîné les bides. Ça vous est arrivé, vous avez vécu ça. Vous dites, il m'a fallu 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Est-ce qu'à un moment, avant d'être connu, avant le succès, vous avez pensé à abandonner ? En fait, n'importe quel artiste que vous voyez a beaucoup travaillé en amont et on le connaît une fois qu'il est connu. Mmh. Donc il y a plein d'artistes qui ne sont jamais connus parce qu'ils n'ont pas réussi à percer. Je pense que c'était Coluche, il disait il faut 20 ans, 10 ans, mais beaucoup d'années pour être connu du jour au lendemain. Mmh. Parce que à partir du moment où on a l'exposition, les gens, ah c'est super, j'aime bien ce qu'il fait ce jeune. Non, ça fait des années que je suis là, je travaille, je joue dans des comédie-clubs, je fais des théâtres, je suis en tournée, je bosse. Donc on est obligé de passer pour l'apprentissage par une période... Mais il ne faut pas se décourager. Vous avez un souvenir du pire bide, le moment où vous êtes quand même un peu dit... J'avais fait une première partie à Marseille dans un café-théâtre et c'était un boulevard et je monte en première partie et j'ai eu zéro rire pendant 7 minutes, mais vraiment rien. Le passage de Sandrine dans 10%, je pense qu'on peut sourire, mais là, il n'y avait rien. Et je me suis dit, c'est dur, ça va être difficile. Mais après, il y a deux étapes. Soit on lâche, soit on continue, on bosse et on essaie de s'améliorer justement pour plus que ça se reproduise. Ça dépend du public aussi. Vous aimez le public parisien ? Est-ce que vous vous êtes forcé à parler en parisien au début ? Non, il n'y a pas de public en fait. Qu'on joue à Marseille, à Lille, à Rennes, les gens ils viennent pour rire. Il faut arrêter de dire ouais, le meilleur public, il est dans le Poitou-Charentes ou dans le Luxembourg. Il n'est pas à Marseille le meilleur public ? Oui, pour le foot, oui. Bah, c'est Marseille. On est d'accord. J'ai toute la famille qui va regarder, qui va dire qu'est-ce qu'il raconte lui.
Non, je pense que c'est à l'artiste d'être bon. Mais l'excuse du public, elle est facile de dire « Ah non, mais c'était pas bon ce soir en public. » Non, non, c'est l'artiste sur scène qui n'a pas été bon. Parce que le public, il est là, il a payé sa place, il a prévu sa sortie à l'avance, il vient, il a envie de rire. Si on n'a pas réussi cette mission, c'est qu'il faut se remettre en question. Vous pourriez être maire de Marseille ou pas un jour ? Non, non, non. Non ? Non, pas de politique. Votre frère Hakim dit que c'est un enfer de marcher avec vous à Marseille, que vous faites 600 bises par jour. On va faire justement un quiz Marseille, pas Marseille, dans un instant. Mais d'abord, on vous écoute parler de votre ville. Le nord de la France, c'est tout ce qu'il y a au-dessus d'Aix-en-Provence. C'est vrai. Tu sors de la A7, à Vitrolles, tu es dans le nord de la France. Donc le sud, c'est Marseille et quoi ? C'est Marseille. Marseille et Marseille. Entre Saint-Charles et Vieux-Port. Après, tout le reste, c'est l'étranger. Le Marseillais numéro 1 dans leur cœur, c'est Zidane. Ah, c'est Zizou. Ah, Zizou, tu peux pas. T'as Zizou, après t'as le pape. Ils n'ont pas le droit de dire qu'ils aiment bien Paris. Alors ça, Paris, c'est une très belle ville, mais on n'a pas le droit de le dire. D'abord Marseille, après Paris. Allez, moi, je vous propose un petit jeu. Marseille, pas Marseille. Alors, le principe est simple. Je vous pose des questions sur la personnalité des Marseillais. Vous répondez. Est-ce que vous êtes prêts ? Première question. Est-ce que les Marseillais savent se garer ? Oui. Oui. On va regarder une photo qui prouve exactement ce que vous dites. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à tout pour manger des pizzas à Marseille ? Oui. Oui, regardez aussi la photo qui l'approuve. Wow. Est-ce que à Marseille, on est fier des fictions qu'on tourne là-bas ? Oui. Oui, regardez, tellement fier qu'on montre des petits... Cochons, là. C'est cochons, ouais. Est-ce que les Marseillais sont fidèles ? Oui. J'ai envie de dire non pour changer, mais... Non, oui, et bah, regardez. Ricard qui a failli sponsoriser... Ah non, pour le coup, non. Ouais. Et du coup, Il s'est rétracté. Mais en attendant... Est-ce que les Marseillais sont revanchards ? Je pense. Hein. La réponse est oui, regardez. Je vous invite à repasser la semaine prochaine chez nous. Sur toutes les bouteilles et sur toutes les marques Ricard, nous allons mettre en attendant de renouveler notre stock des scotchs noirs. On ne parlera plus de Ricard. Bon, effectivement, ils auraient trop pédalé, hein, je dis. Et vous-même, ça vous a ému, cette histoire ? Oui. Oui, j'ai l'impression que ça... Alors, c'était pas un partenariat pour la France, c'était un partenariat pour l'étranger, parce qu'ils sont quand même prudents. Ils s'étaient dit qu'il y avait peut-être un problème. Mais ils ont été obligés de...